Citizens of heaven. Citizens of heaven. My name is Delphine Olson. This is my lovely husband, Daniel Olson. And this is my son, Emmanuel Olson. Alors, notre sœur, toute joyeuse, se présente. Elle présente son mari et son magnifique enfant. Dear citizens of heaven, as you people have watched from my previous testimony, God is so great in our life. This is the problem that brought us here. You know, when before you already saw what happened through my deliverance, when things were so difficult in my life, and because I came closer to God and seek for the face of God through the man of God, Apostle John Che, and things started going so well for us because God used him mightily in my life. Alors, notre sœur nous explique que sa vie du passé était tellement misérable, elle faisait face à des stagnations et à des limitations, et aussi elle ne pouvait pas aller dans certains niveaux dans sa vie. Et elle nous dit que depuis son arrivée ici, le jour qu'elle est arrivée, elle a reçu la prière avec l'homme de Dieu, l'apôtre John Che, dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'autorité au nom de Jésus-Christ. Tout a commencé à changer dans sa vie. We flew from Sweden to Cameroon yesterday just to testify for what God has done in our life. Alors notre sœur nous dit qu'elle nous vient de la Suisse depuis hier pour témoigner pour ce que Dieu a fait dans sa vie. So before things were so difficult for me to get married or for life, for the way I wanted life to go with me, you know, it was too bad. And I felt so disappointed in life until when I came in contact with the man of God, Apostle John Che. And after then, when I got my visa, I went to Sweden, like you saw there. By the grace of God, all the prophecy man of God gave to me, came back with my husband here, and we got married. Alors, notre sœur nous dit que ça n'a pas été facile dans sa vie. Elle faisait face à des difficultés tout le temps dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée ici, au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, où elle a reçu la prière dans la puissance du Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu, l'apôtre John Che. Elle nous dit qu'elle n'avait pas du tout son visa et elle a reçu la signature de son visa pour voyager. Elle a voyagé pour la Suisse et elle est revenue maintenant pour nous présenter son mari pour rendre témoignage. Dear people of God, you know, when we got married, you know, we have everything. Living in Europe, your husband has a house, he built it himself. Everything around you. And a very big house, and you don't have a child, and he doesn't have any also. It was so bad. I was so disturbed. You know, I was crying every day to my God. What am I going to do? It's my husband that will even tell me, don't be worried. God is going to do it. God's time is the best. Alors, notre sœur nous explique que le fait d'être mariée et de tout avoir et sans avoir l'enfant a toujours été un problème dans sa vie. Elle était tout le temps en train de plonger dans la tristesse et se posait tout le temps la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Elle s'est confiée à son mari qui avait toujours l'habitude de la conseiller, et ils ont continué toujours à s'affermir dans la foi. Dear people of God, it's really a privilege for me that my husband is a born again and a believer, because when I was telling him about Senior Apostle John Che, that this is where I came from and I know this man of God is from God, and God has been using him mightily. And I show him on the internet what God has been using him mightily in people's life, you know. He was so happy to see that. And I told him, it is good we come to Cameroon. Let's come and have our deliverance, because it might be the work of the devil. It might be me, it's from my side. It might be you, we don't know. But I know if we come here, God will surely see us through. And my husband said, okay, then we will have to go to Cameroon. Alors notre sœur nous explique que pour que son mari puisse enfin croire que Dieu est un Dieu vivant et qu'elle sert un Dieu de miracles, il a fallu la grâce de ce Dieu vraiment pour que son mari puisse croire. Et aussi avec des différentes vidéos du serviteur de Dieu, l'apôtre John Che, qu'elle avait l'habitude de montrer à son mari, et elle expliquait à son mari d'où elle venait. Et là, il a commencé à la croire peu à peu, et ils ont pris la résolution de venir ici en Afrique. Dear people of God, when we prepared to come to Cameroon, and he went and told his mother, and his mother said, oh, nobody knows tomorrow. Who told you that this is where you're going to end in Africa? He said, mommy, I will go.
and the mother blessed us and we came to Cameroon. And that was his first time to come in Africa. He has never been in Africa. And when we came to the church, we were opportune, we went to the prayer line, and our problem was the fruit of the womb. Alors, la sœur nous explique que lorsqu'ils ont pris la résolution de venir ici au Cameroun, son mari est allé expliquer à sa mère qu'il devait aller en Afrique avec sa famille. Sa mère, qui était tellement étonnée et stupéfaite par rapport à ce qui allait se passer, elle a dit à son fils qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Donc, finalement, tu t'en vas en Afrique. Et notre sœur nous dit que lorsqu'elle est arrivée ici au Cameroun, elle est passée à la ligne de prière. L'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, a prié pour elle. The man of God also gave me a wonderful prophecy that Madame, go and have your baby boy. I was so grateful to God, so happy that God has blessed us. And I believe that was when we realized that I was pregnant. And I and my husband, we were so grateful and happy for what God has done for us. Alors, elle nous dit que après avoir découvert cette grossesse, elle est revenue ici au ministère de l'âge de l'Alliance de Dieu. Et l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, a prophétisé dans sa vie et lui a dit, va et aie ton bébé garçon. Elle nous dit que lorsqu'elle a découvert cela, elle était tellement contente et elle a partagé cette joie avec son mari. So we went back to Sweden and after 5 months, we went to the hospital and they did the echography and the doctor told my husband, it's a baby boy. My husband was so happy and we gave birth and now he is 1 year, 4 months, and that is why we came to tell God thank you for what he has done in our life. Clap for the miracle working God. Elle continue en nous disant que lorsqu'elle est rentrée en Suède avec sa famille, 5 mois après sa grossesse, ils ont fait l'échographie et la parole de Dieu a été confirmée qu'elle était enceinte, bien évidemment, d'un bébé garçon. Elle exprime sa joie et rend gloire à l'Éternel. So, dear people of God, you can see here is Emmanuel. Emmanuel Olson. So we are so grateful for what God has done for us. After getting married, you say you have been looking for the fruit of the womb for quite a long time, trying to conceive, and there was no way. And you came here just with a slap of God's finger, the man of God blessed you with the living water, and you went back and conceived. How did you feel when you realized that you were carrying a baby in your womb? People of God, I was so grateful and happy for God because I've been thinking, sitting alone and crying, I don't have peace in my mind. You know, I have everything around me, but what will give us joy? You know, a baby, and for my husband also, and for myself, people of God. And I just came, just a touch, and the living water, dear people of God, it was so wonderful. God is so great. Notre sœur nous explique qu'elle était tellement triste parce qu'après son mariage, elle ne pouvait pas avoir de bébé. Elle était tout le temps dans son coin en train de pleurer à cause de ce désir d'avoir un enfant. Elle nous dit que lorsqu'elle est arrivée ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, juste le toucher de l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, et elle a été aussi bénie avec cette eau vive qu'elle a aspergée sur elle et elle a prié aussi et en s'affermissant dans la foi. Elle a reçu ce bébé et elle est tellement joyeuse. Elle vient ici partager son témoignage avec le peuple de Dieu. Dear people of God, after the man of God has prayed with us and blessed us with this living water, and it was not so long, just the next month, 1 month, I was pregnant. Not so long, so quick. Clap for Jesus Christ. Elle nous dit que lorsqu'elle est arrivée ici au ministère de l'Arche de l'Alliance de Dieu, l'apôtre John Chi a prié pour elle et lui a béni avec cette eau vive qu'elle a aspergée et a prié avec. Notre sœur nous dit qu'un mois après, elle est tombée enceinte. Dear people of God, my life is testimony. I have a second testimony. So the second testimony is when we gave birth, Emmanuel, he was okay. But when we went home, after 2 months, we saw that I realized, not even my husband, not the doctor, I realized that his testicles, one was a little bit bigger. And I called my husband. I said, dear, have you seen this? Is this okay? And he told me, no, something is wrong. And after 1 week, we saw that it was a little bit bigger and swollen and green. And we felt so bad. And
My husband said, we must contact the hospital. We went to the hospital. Before going to the hospital, I told God, I took my living water that the man of God blessed me with it. I said, God, you have been using the man of God, Apostle John Chi, to do mighty things. My own will not be exempted, and you have been doing it for me always. And I will always call you because I know I need you always in my life. So I took it, and me and my husband, we pray, and I spray it there. I say, whatever thing that is not from God in my son's body, let it live in Jesus' name. As we are taking him to the hospital, we know we are going to see experts, that they are doctors, and you know they always have something to say. I say, whatever thing the doctor will say, let it come from God. Let God use them mightily so that I don't know what will happen. So we went to the hospital. When we went there, the doctor, they told us that it is a hernia. I said, oh my God, my son just for 2 months and he's going to be operated. So they tried to push it back. It was not going. It was so hard. And when they came with the drips and everything to give him anesthesia to go to the theater with him, they could not find a vein for him to put in the anesthesia or what they wanted to do. So that he can go for the operation. And another doctor came and said, it is good they go to an echography. People, dear people of God, God is so great. When they took Emmanuel for the echography, they saw that it was not even hernia, it was just water that was there. I said, glory be to God. I said, thank you, Jesus. Alors, notre sœur continue toujours de témoigner les merveilles de Dieu dans sa vie en donnant un deuxième témoignage qui dit que lorsqu'elle a eu son enfant, quelques temps après, elle a remarqué une anormalité sur la partie génitale de son enfant, donc ses testicules. Un côté était plus petit et l'autre était plus grand. Elle nous dit que quand elle a observé cela, elle a parlé avec son mari. Ils ont décidé d'aller à l'hôpital. Elle nous dit qu'avant d'aller à l'hôpital, elle a prié avec l'eau vive sur la partie génitale de son enfant en disant que tout ce qui ne vient pas de Dieu soit ôté dans la vie de son enfant. Elle nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, on a fait des tests et puis son enfant devait passer par une opération et pour que le docteur trouve une veine pour mettre une perfusion pour l'opérer, il n'a pas pu trouver la veine jusqu'à ce qu'on fasse une échographie pour découvrir que cette malformation n'était pas une hernie mais était un liquide qui se trouvait dans les testicules de son enfant. So I now asked the doctor that now that it is water, what are we going to do? Are you going to operate him or what? He told me that no, we are not going to operate him. And I said, thank you, Jesus. And after he told me that this water, sometimes when you deliver children, you know, they have water inside their stomach. Some can run, go down, and after some times it will go away. And I asked him how long, and the doctor told me from 2 to 5 years, this water will disappear by itself. We were so grateful because they never operated him, that it was not hernia, and it was just because I used the living water for God to direct them what to do. So we went home with my husband. We were so grateful for God, and I said, God, I will not let you go. You must do it for me again. And I took the living water with faith, and I prayed with God. God, this one that these doctors, they are saying that 2 to 3 years, it is what they are saying, not what you are saying. I know you. All things is possible with you. Everything is possible. I said, they said 2 years to 5 years. I don't want my son to be like this. I don't want to be saying this thing. I said, Father, you have used your servant mightily with this water, doing so many things. You will not, my own will not be an exception. Father, let your will be done. And I spray it there. Dear people of God, in the space of 2 weeks, everything disappeared. Alors, notre sœur continue de rendre son merveilleux témoignage en rendant toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de son enfant. Elle nous dit qu'elle a demandé au docteur si finalement devait opérer son enfant. Le docteur a dit non, que c'est une anormalité qui se trouve souvent chez certains enfants et que, en l'espace de 2 ou 3 ans, ça va disparaître. Elle nous dit que ça ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a dit à son Dieu, en utilisant cette eau vive, en priant fermement dans la foi, elle nous dit qu'elle a aspergé cette eau sur les testicules de son fils. Et elle nous dit que ce temps que le docteur a donné n'était pas le temps de Dieu. Elle nous dit qu'en l'espace de 2 semaines, cette malformation avait totalement disparu.
So we are so grateful for all that God has done in our life. That is why we came here to testify about his goodness and favor in our life. My name is Daniel Olson, and this is my son and my wife. Alors, notre frère se présente, il présente son épouse et son enfant. We came here to testify and praise the Lord because what he has been doing in our life. Ils sont ici pour témoigner les merveilles de Dieu dans leur vie. As you heard, my wife told you that the prophet, Apostle Yonchi, gave us a prophecy that we will have a baby boy. And we were so happy when we went home to Sweden. And now you can see the results of the prophecy. Clap for Jesus Christ. Alors, notre frère est tellement joyeux. Il est ici pour témoigner les merveilles de Dieu dans sa vie. Il nous dit que lorsqu'il est arrivé ici au Cameroun avec son épouse, l'homme de Dieu lui a donné les a donné une parole de prophétie en disant qu'ils auront un bébé garçon. Il nous dit que la preuve est là. On peut voir son bébé garçon et il rend toute la gloire à l'Éternel. He used the living water to pray with us because first we came to the prayer line for deliverance. And the living water is a media for God to help people. Alors notre frère bénit toujours l'Éternel en disant que après être passé par la ligne de prière, ils ont été bénis avec cette eau vive qu'ils ont utilisée et aussi il rend la gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans leur vie. So your wife is just from telling us that after getting married to you, there was a need for a baby, and that is why you people had to come here for prayers. And the man of God, Apostle John, she blessed you with the living water to go and use. So when you use the living water and met as husband and wife and discovered that your wife had conceived, how did you feel? I was very happy, and it gives peace in the house when you're happy. Alors notre frère nous dit que après être béni par cette eau vive, il a retrouvé toute la paix totale dans son foyer et aussi il a eu cet enfant qu'il désirait tant. And you just said the man of God, after praying with you, the man of God, Apostle John, after just ministering prayer with you and blessing you with the living water, he said you were going to come back here with a baby boy. How do you feel now, seeing yourself as a father? It's more than I can describe. I'm very happy. It's I'm not so young, so I have gave up before I met my wife. So it's a real blessing for me. Alors notre frère nous dit que après cette bénédiction, il se sent tellement joyeux. My advice to everyone here and viewers all over the world, my dear people, whatever thing the man of God, Senior Apostle John Chi, gives you as a media in between you and God, please take it serious. We left Sweden to come to Africa because God has used him mightily to bless us and we receive our blessing. What more of you people that you are here in Cameroon or in Africa, dear people of God, seek the face of God and whatever thing you want, God will give it unto you. Notre sœur continue en nous disant que quel que soit le matériel spirituel qu'un homme de Dieu vous donne, il faut le considérer et il faut y croire avec la foi que vos désirs, les désirs de vos cœurs vont être comblés. My advice is never give up because Lord is still alive. And what he has done for us, he will do for you. So how do you people promise to bring up the baby God Almighty has blessed you with? We will bring him up in the way of the Lord. And I am working in a church, so we go there every Sunday. And it's good when you take your children with you to the church every Sunday, because then they learn how they shall live their lives. Alors notre frère promet à Dieu de toujours élever son enfant dans les voies de l'Éternel et il nous dit que maintenant il est devenu un chrétien fidèle qui va à l'église tous les dimanches et apprend la parole de Dieu.
We thank God for your life, and we thank God for using the servant of God, Senior Apostle John Chi, to bless you. And we pray that you should go and make the word of God the foundation of the family in order to bring up this child in the way of the Lord, in Jesus Christ's name.